Yitro sur la paracha numéro 1. Donc, nous sommes le mardi 16 Shvat, les amis. Mardi 16 Shvat, Yitro numéro 1. Alors aujourd'hui, on va parler de. Donc Yitro, les amis, j'ai beaucoup à parler sur Yitro. Bezrat Hashem. Déjà, on a Yitro, le personnage d'Yitro. On a Matan Torah. J'espère demain, peut-être pas ce Matan Torah un petit peu. Extraordinaire ce Matan Torah. C'est le jour où les Bézrés, ils ont vu que Enon Midevado. Bon, on en reviendra, le feu et tout. Et surtout, on a les 10 commandements. Alors, je vous le dis tout de suite, les copains, la partie. Tu étais là avant. Avant Shavuot, on a fait ensemble toute la partie préparation à Matan Torah. Vous vous rappelez le premier Sivan, ouais. Le Sivan. Donc, ça, on a déjà fait avant Shavuot, donc je fais ça avant Shavuot. Là, aujourd'hui, je vais m'intéresser Donc, on a aussi à parler des 10 commandements. Shabbat, Kibbout Avaim. Il y a beaucoup de choses à parler, Bézrat Hashem. On va commencer aujourd'hui à parler sur le Ikar, qui est le premier des 10 commandements. Le Rishon des Aseret HaDiberot. Donc avant ça, les amis, je voudrais baser ce cours sur le Sefer HaChinuch. Alors d'abord, on va prendre d'abord ensemble, pour l'instant, la Halakha. C'est un cours de Moussa, juste que je le base sur la Halakha. Ah, je vous ai pas. Bon, c'est pas grave. J'ai pas bien en vert, par exemple. Oulala. Donc, nous avons la mitzvah qui nous incombe, qui s'appelle Anochi Hashem Elokecha. Je pose la question, je vous pose la question, amis. Uriel, Nati, Johan, Gérald, Arbi Diaou, Stéphane. C'est quoi cette mitzvah de Anochi Hashem Elokecha? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, l'otir sar ne tue pas, j'ai compris. L'otir gof ne vole pas, j'ai compris. Mais c'est quoi la mitzvah de Anochi Hashem Elokecha? Hashem, il est en train de se définir. Je suis Hashem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. Mais moi, en tant que mitzvah autre, qu'est-ce que je dois faire? Et voilà. C'est à l'obligé. Ben, ça exclut les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu, quoi. Non, c'est le deuxième. Pas mal, à part ça. Je veux dire à tout le monde. Non, moi, j'aurais dit que tu gardes la connexion, que tu essayes de garder la connexion avec Hachem en permanence. Ah, pas mal ce que tu dis. Alors, regarde, c'est Bidjouk qui dit le. Mais regarde, on suit à plusieurs. Fais-le, moi. Prenez, nous sommes, les amis, dans le Shulchan Aruch, Orachaim, Siman Aleph, Seif Aleph. Les amis, Nati, c'est le tout début, je crois. Donc, vous avez déjà fait ce Shulchan Aruch ou pas? Ouais. Ouais. Premier Shulchan Aruch, au Pokara, ouais. Avec toi. Ah. Avec toi. Les 10 raisons sont venus de jouer. Tu te rappelles? Les 10 raisons. On l'a fait. Lui, quand il fait les cours, il s'en rappelle. Ah, Hadak. Mince. Bon, il s'en rappelle. Super. Le premier Rama. Donc, Shulchan Aruch, je lui dis ensemble Shulchan Aruch. Le sujet, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est pour arriver à notre Hashem Elokecha. Itgaber Kaari Lahamot Baboker. La Vodat Boro. Il a voté à tabouret. Un homme doit se lever comme un lion le matin parce qu'il a serré son créateur. Mais c'est Hatsum, ça. Le gars, il est fatigué, il a passé une sale nuit, je sais pas quoi et tout. Mais non, Hachim, il te dit, mais tu dois me servir, fils. Le gars, il va se lever Bessimra. Bon, première Simra que Modani, Hachim, il m'a rendu mon âme, je suis encore vivant, je respire, merci Hachim. Mais deuxième Simra, c'est que je vais servir mon créateur, le but de la création. Je vais pas aller faire des bêtises ou je sais pas quoi. Ou... perdre mon temps. Je vais servir mon créateur à la Voda Taboré. Et donc, Cheyé ou Me'orer et Achachar. Et donc, c'est lui qui va réveiller le jour. Bon, c'est quelque chose que je n'ai pas, donc je ne suis pas trop métallé. Hein, mais normalement, un gars qui est tellement joyeux d'aller servir son créateur, son roi, c'est lui qui réveille le jour. C'est lui qui devance le jour. Il n'attend pas que le jour le réveille. Comme si le gars, un gars qui prend un avion matin, chaque heure. Ah non, c'est pas encore l'heure. Et il se réveille, il arrive pas à dormir. Pareil, il attend le service d'Hachem. Où mes oreilles, ta chacha? Ah, Bokara. Razak Borou. Il dort jamais, parce que. Je sais pas quoi. Il mange pas, il dort pas. Bon, ça c'était sur parenthèse. Le Rama. Non, il mange, il mange. L'ami le Rama. Le premier Rama. Premier Rama du Shulchan Aruch. Le gars, il commence comme ça le Shulchan Aruch. Alcool, panim. Louia, chers, man, tu l'as béchia, Simon Pélim, évidemment. Il ne doit pas retarder la tfila betsibo. Ok, tu n'es pas au degré de te lever très tôt, de réveiller le matin. Ok, on t'accorde. Mais au moins, fils, ne prie pas après le tibo. Prie au moins le tibo. Non, c'était le sujet de Rochocher pendant des jours avec moi. On continue. Et là, je vais arriver au. Vous êtes tous en vert là? Shivit Yashem. Aga. Shivit Yashem, les Negitamid. Shivit Yashem. Tu dois. Comment dire en français, Shivit Yashem? Johan. Tu vas voir devant la conscience d'Hachem. Conscience d'Hachem, les Negdi devant toi, Tamid tout le temps. Tu dois constamment avoir Hachem devant toi. Ou Klal Gadol Batora. Et ça, c'est un Klal Gadol Batora. Un grand principe dans la Torah, c'est peut-être le grand principe de la Torah, c'est de constamment avoir Hachem en face
de soi. Maintenant, d'où ça sort cette misva-là et c'est quoi exactement cette misva-là? On va voir, c'est un Anokhi Hashem Elokeinu. Alors, prenez avec moi en bas. En bas, le bureau Alakha. Vous voulez tous le bureau Alakha? Je vous lis juste le début. C'est un peu mal fait au début, je vais lire avec vous. Arotse le Kayem Shiviti Karaoui. Celui qui veut être Mekayem, cette misva de Shiviti. Ouais, littéralement de placer Hashem devant soi. Comme il faut. Isdarez le Kayem. Il faut qu'il s'empresse avec du zèle à accomplir ma chaîne Nirtov et Sefer Achinour. Ce que le Chinour il a écrit. Et le bureau Alakha il te dit, normalement le bureau Alakha c'est un livre Bekitsour, hein, c'est un Mishnah, il n'a pas le temps de tout écrire. Normalement le bureau Alakha il te dit, bon, va voir le Sefer Achinour, tu débrouilles. Là il dit, non, Mipone Godel Khadivuta, mais tellement que ces paroles sont chères, je vais tout réécrire. Là tu peux prendre le Sefer Achinour et le chercher tout seul. Qui a écrit le Sefer Achinour? C'est un. Le Réa. Regarde, c'est un des Rishonim. Aetikum, Gama, Gdolim, Bissifrehem. Beaucoup de Gdolim l'ont écrit. Et moi, je suis Raben. Vezeshana Achinour. Alors, Shesh Mitzvot, Chiyuvam Timidi. Yohan, pas 10, mais 6. On a 6 Mitzvot. Je ne sais pas si vous réalisez que leur Chiyuv, leur obligation et leur Srar et leur récompense est Tamid. Tamid, ça veut dire Tamid. Matin, midi, soir, en vacances, en hiver. Tu sais quoi, bah, je suis à fond, je vais réfléchir en même temps. Ah. Et il nous dit, parce que je vais faire vite, hein, Loïf Sikoumé Ala Adam, et ça ne doit pas s'interrompre d'un homme, même Rega Echad Kol Yamav, vous l'avez ou pas? Ça ne doit pas s'interrompre de l'homme, ne serait-ce qu'un instant pendant toute sa vie. Ça, le gars, il peut être Kayem Inizva. Sans rien faire. Le gars, il peut accomplir un ordre d'Hachem, constamment. Bonus, jackpot, constamment des sruyotes avec ces 6 mitzvot. On va faire que la première. Des cholvan et cholvé grega, chez Archov ben. Je voulais rêver à ça. Et à chaque fois qu'il va penser à ça, donc c'est même pas une mitzva où il faut dépenser de l'argent, où il faut s'investir corporellement, où il faut je ne sais pas. Yarchov, il faut penser à ça. Mais kayem mitzva tassé. Il fait une aide positive. Il n'y a pas de quête. Il n'y a pas de limite à la récompense qu'il aura. Gérald, c'est bon ou pas là? Alors on y va. On attaque la mitzvah. Maintenant, vous prenez la deuxième feuille. Ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de feuilles, mais chaque fois, c'est rapide. Hein. C'est le Sefer Achinour, justement. Bon. Comme c'est écrit en petit, je vous l'ai directement photocopié. Regardez pour vous là. Ouais. En fait. Alors, c'est bon, j'ai. GG pour moi. Elle est ici. Elle est dans le dossier. Donc, nous sommes dans le Sefer Achinour. Donc, c'est qui le Sefer Achinour? C'est un des Rishonim qui a donné des explications aux mitzvot. Encore une fois, toujours, je vous le répète, dans sa Hagdama, dans son introduction, le Sefer Achinour, il dit, on ne peut pas dire vraiment des raisons aux mitzvot. Les mitzvot, c'est Hachem qui a dit, c'est tout. Mais si on peut avoir une petite raison, comme ça, pour de quoi? Comment on appelle une raison en hébreu, Uriel? Tam. Pour donner un goût à la mitzvah. Lorsque quelqu'un, il comprend ce qu'il fait, alors il a plus de goût. Comprenez pas? Mais on ne saura jamais vraiment, c'est quoi les vraies raisons que j'ai donné à la maison. C'est divin. Mais, ça rien dans mon livre, il dit, je vais te donner un petit peu des goûts. Maintenant, on va attaquer la mitzvah qui s'appelle la mitzvah 25, café. Donc, dans l'ordre des mitzvot, c'est la mitzvah 25 dans les 113. C'est la 25e. Donc dans l'ordre d'apparition dans la Torah, tu veux dire? Alors le Khadachinour, il fait selon l'ordre de la Torah. Je vous explique. Ça veut rien dire. Le Rambam. Question sur le Rambam, Maïmoïl. Il a fait tout le Rambam, mais il a fait pour ça le Sefer HaMitzvot. Le Rambam, c'est d'abord, il te met toutes les mitzvot assez, positives, et après toutes les mitzvot négatives. 248 assez, 365 négatives, et en tout 613. Le Ferrino, il a fait différemment. Il a fait selon l'ordre des parachutes. Au total, tu auras tes 5. Parce que la Torah, donc toute la Torah, elle comprend les 613. Donc il a fait selon l'ordre des parachutes. Donc toi, dans la mitzvot Kafé, on est dans le cycle des parachutes à la parachute Itro, notre parachute. Tu l'as, Ruyen? Ah ouais. Alors on va lire ensemble et après on va dire le Roche et Mamash Atoum. Alors je lis donc le Sefer Achinour Mitzvat Café. Mitzvat, c'est quoi la mitzvah de Anochi Hashem Elokecha Asherotsiticha Meres Mitzrayim Mibet Abadim, mais après c'est le Yilecha, c'est déjà la deuxième. C'est quoi la première? Donc encore une fois, la première des 10 Bérot, c'est un commandement. Ouya, tu es avec moi ou pas? C'est quoi le commandement? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? C'est quoi le tzivou que j'ai? Les Amin. Sheyesh la'olam eloka echad. Vous êtes avec moi ou pas? Et ma'amin, donc avoir emuna, de savoir qu'il y a dans le monde qu'un seul Dieu. Sheimtsi kol animsa,
C'est lui qui a été même si qui a formé tout ce qu'il y a dans le monde. Umi kocho vechevso, et par sa force et par son, sa volonté, aya kol machéou, là il est important, kol machéou, sheaya vechéye. Par sa volonté et sa force, Akadosh Baruch Hu, il y a le présent, il y avait le passé, veillez la radiad, et tout ce qu'il y aura au futur jusqu'à la fin des temps. Vechriou tsioan umeres mitzraim, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Venatanano et ta Torah. Ah, il a donné la Torah. Shenehem arbitrilat. Voilà. Comme c'est écrit au début de Aseda Diberot, Parashat Hashavua, en Yitro, Nitinat ta Torah, deux points. Anochi Hashem Elokecha, Asherot Sitzicha Meheres Mitzrayim. C'est moi Hashem qui t'a fait sortir d'Egypte. Ou Pirusho. Non, écoutez l'explication de Sifar Hinur. Comment on met quand même cette mise-là? À quoi il faut penser? Et encore une fois, c'est une mise-là timidite, constante, toute sa vie. Kéilou Amar, comme si Hachem t'avait dit là, voici ce que je te redonne. Kédrou, sachez, veta aminou, et soyez ma'amin, sheyesh laolam eloka. Il y a un Dieu dans ce monde. Kimilat anochi, car le mot anochi, je, moi, Toré nous montre à la metsout, à la réalité. Quand Hachem dit anochi, c'est que je suis là. À ce quoi anochi? Moi, je suis là. Je suis présent. Présent. Anochi, je suis là. Va Hachem Amar, pourquoi il dit? Qui t'a fait sortir d'Égypte? Asher Amar, Osher Ostra, Mère Israël, Léomar, Shelouifte le Vafrem, que ton cœur ne te t'incite pas. La Karatinian, etc. Mitzraim, ou Makot à Mitzraim, derrière Mikre. Que ton cœur ne t'incite pas à dire oui, bon, c'est bon ce qu'il y a en Mitzraim, les Makot. Oh, ça va, c'était un peu du hasard. Et là, da. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte avec volonté et providence divine. Comme j'ai promis à vos pères. Oh, ouais, je vais doucement. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, Auriel, de savoir qu'Hachem a créé le monde, qu'il est seul, qu'il a tout fait, et que, attention, je précise bien, Hachem aussi Tichah Meretz Mitzrayim. Je t'ai fait sortir d'Egypte. Ne crois pas que l'Egypte c'était un truc par hasard comme ça. C'est moi qui ai fait ça et c'est moi qui fais ça. Alors, le Roche, il va expliquer ça. On a, quelle heure il est maintenant? 25. Alors, on a encore 5 minutes. Ce Roche, on l'a fait peut-être en nous, on l'a fait peut-être une dizaine de fois. Dès que je peux, je le refais avec vous. C'est le Roche. Donc, c'est le même Roche que je vous ai dit dans le Moussard là. Vous rappelez ou pas le Roche le mardi là? Là, c'est Yom Aleph. Là, c'est dimanche. Donc, aujourd'hui, c'est la journée du Roche. C'est un moussard à Tsioum. Il faut se répéter chaque fois et lui travailler avec les yeux. Donc le roche, le jour du dimanche, encore je suis dans ses fers. Ochot Chaim Léa Roche. Donc les chemins de la vie que le roche a donné à son fils à étudier chaque jour. Nous sommes dans le jour dimanche. Et nous sommes dans le Seif Kava. Vous voulez tous Kava en rose? Écoutez bien, comment les amis, écoutez bien comment le roche il explique. Anochi Hashem Elokecha, comme on l'avait dans le Chinour. De croire qu'Hachem, il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre chose. Et quel rapport avec Yetzian Israël? Écoutez bien ce qu'il dit. Liftoar Bashem, Bechol Evavecha. Tu dois être beauté à Bashem, Bitachon Bashem, mettre ta confiance en Hachem, Bechol Evavecha. Avec tout ton cœur. Tout ton cœur. Regarde, tu parles de cœur. Oulahamid Behashkarato Aperatit. Et sois ma amie dans sa providence divine. C'est quoi providence divine? Providence, c'est quoi en français providence? C'est présence. Sa présence divine. Okay. Là où tu es, quoi que tu fasses, quoi que tu vas faire, quoi que tu aies fait, c'est Hachem qui est derrière. C'est bizarre qu'il ne dise pas les Bechol et Vafrem, pour le coup, là. Parce qu'il parle à son fils. Il parle à la chaîne singulier. Simple, ok. Ou Bazet et Kayem, il Vafra. Et avec cela, en ayant cette émouna-là, Béhajkarato Apratit, que Hachem, il a une il est partout, présence divine, providence divine. T'es Kayem, Bivafra, dans ton cœur, tu accompliras. Donc, c'est une fête qui dépend du cœur. Ou il y a du cœur, ça dépend. Aïchoud Hachalem. C'est quoi Ichoud Hachalem? L'unicité d'Hachem. Shalem. C'est quoi Shalem, les amis? Entière. Entière. Péaminbo. Écoutez ce qu'il dit. Et croire en lui. Qui ena méchoté tot al pechol ares. Ses yeux, ils survolent sur toute la terre. Comme les oiseaux qui survolent. Vena valkol d'arkeish. Et ses yeux voient tous les chemins de l'homme, tout ce qu'il fait. Ou bochen, et ils sondent les reins, les cœurs et les reins. Parce que c'est les reins qui donnent les conseils au cœur.
Hachem, il sait tout ce qui se passe, ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a dans les reins. C'est quoi l'intention que tu as fait lorsque le bifton là, de Ruel, quelqu'un il donne un bifton à un pauvre. C'est bien de donner un bifton. Mais c'est quoi la kavana? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Est-ce que c'est le kavod? Est-ce que parce qu'on va, il va lui prendre la tête, ça le saoule? Ou son cœur il est pur parce qu'il veut faire plaisir aux pauvres? Avec Hachem qui sait. Hachem il sait ça. Et des fois un homme il a fauté parce qu'il était honnête. Et des fois un homme il a fauté parce qu'il avait, il avait la possibilité de freiner sa faute. Il n'a pas aidé. Donc les reins qui l'ont conseillé, oui, ne faute pas. À quel degré de conseil? C'était perdu, j'étais devant la verra, j'avais plus force ou je pouvais encore me retenir? Il y a Kachem qui peut se penser, il y a Kachem qui peut doser ça. Mais Rocker Kelayot, c'est bon ce qu'il y a là-bas. Ce qu'on appelle l'Ashkara pratique. Maintenant, le roi, il explique quel est le rapport avec Yetziat Mitzrayim. Parce que je vous rappelle que la mitzvah, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Otsetiha vers Israël. Quel rapport? Stéphane? Oui. Ah, vous dormez, je crois. Non, je suis là. C'est un con. Je suis là. Qui Mishéno Ma'amin Be'Asher Anochi Otsetiha vers Israël. Be'Asher Otsetiha vers Israël. Celui qui n'est pas Ma'amin, que Hashem t'a fait sortir d'Egypte. Alors, Av Be'Anochi Hashem Elokecha, non, Ma'amin. Même dans la première phrase qui est Stam, je suis ton Dieu, ça aussi il est pas mal. Ça marche pas. Il n'a pas accompli l'unité intègre d'Hachem. Alors j'explique cette phrase vite fait. Auriel, qu'est-ce qu'on a découvert dans les Yetziat Mitzrayim? La grandeur d'Hachem. La grandeur d'Hachem, dans l'eau, dans l'air, avec les macotes. Nati, t'es avec moi ou pas là? On rappelle qu'on a vraiment le cours avec Rabbi Eli sur le Malbim. Que Hachem, avec les trois groupes de macotes, il a prouvé qu'il était là. Dans tout, que. Comment c'est possible que la peste, c'est quoi la peste? Des vers. C'est l'air qui est contaminé, comme le corona. Quoi, l'air contaminé vient en masse. Donc, où tout le monde ou personne? Et comment, quand je me roule, sa présence divine, si c'est un Égyptien, ça contamine. Si c'est un Juif, ça contamine pas. On a vu la providence divine. Sur la mer, le gars, il voyait que l'Égyptien qui l'a frappé, là, qui lui faisait du mal, il voyait son Égyptien qu'il frappait avec son cheval. Il voyait. Ils ont vu Mida Kenyan Mida. Paro, il a fait sa première grâce, c'est de mettre les Bechor, les premiers garçons dans le nez, dans le Nil. Tout son peuple, il est mort dans l'eau. Ils ont vu Mida Kenyan Mida. Ça tourne, ce qui est passé à Enstreim. Hachem dans Barad, lorsqu'il va attaquer le troisième groupe. Ouais, il y a trois groupes, je parle bien dessus. Il dit à Paro, maintenant, sache que je t'ai fait tenir jusqu'à présent. Et Matira, je t'ai fait tenir, parce qu'un normal, il ne peut pas tenir. Avec tout ce qu'il a reçu, il aurait dû être cassé, brisé, mort, ce que vous voulez. Je t'ai fait venir pour te montrer qui en kamoni becholaret. Hachem, il n'y a pas comment dans la terre. En kamoni, Hachem, il s'est lâché. Et comment dit là-bas, Rabbi, comment dit là-bas? Bechol magifota il libecha. Je vais te sortir toutes mes armes. Et le Ramban, il explique, Hachem, il s'est lâché les makotes, surtout le troisième groupe. Parce que Hachem, il a dit, je vais pas commencer à me déjustifier dans chaque génération. C'est pas chaque malin qui va dire, il est où Hachem? J'ai fait une fois dans l'histoire. Après, il y aura le LACDR pour transmettre à nos enfants. Vous avez la Torah, vous avez les parachutes. Après, ça sera de transmis. Mais une fois, je l'ai fait de manière grandiose. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Donc, il dit, le roi chien, il n'a pas clair qu'Hachem, il est là à tout moment. Ce qu'on appelle la providence divine, c'est la Emouna que Einon Milevado. Einon Milevado, il n'y a rien. Ouais, les grenouilles, comment c'est possible que les grenouilles qui étaient dans le four, ils n'ont pas brûlé? Comment c'est possible? Parce qu'on a eu. On a pris conscience en Égypte que le feu il brûle pas. Le feu il brûle pas. C'est Hachem qui dit au feu de brûler. Le jour Hachem lui dit non, il brûle pas. Comment c'est possible que les lions ils ont pas mangé les petits Israël en maquette Arov? Parce que les lions ils font rien, c'est vrai, il n'y a aucune force là-bas, Hachem. Hachem il demande aux lions à chaque instant de la création, allez, fais ton boulot, avale, dévore. Mais c'est Hachem qui donne la force. Tout ça on a réalisé en Égypte. Personne n'a une force, rien. Même l'argent c'est pas une force, même rien du tout c'est une force. Hachem, Akol, ouais, ceux qui vont croire dans les votes, Charabitachon. Akol, Bigzera, Taboré. Là-bas, il dit, même si quelqu'un te fait du mal, c'est un degré, mais c'est le même. Même si quelqu'un te fait du mal, il dit, ça, c'est rapide, tu ne dois pas lui rendre du mal. C'est tu dois lui rendre du bien. Parce qu'Hachem, il a choisi. Tu dois lui dire merci. C'est un degré de dire merci. Mais en tout cas, dans ta tête et dans ton cœur, dis-toi que c'est malhonnête. Il fait de la peine, ce gars. Il fait de la peine. Et il a été choisi pour faire du mal. Il a été choisi. C'est Hachem qui fait ça. Et Hachem, ce qu'il fait, c'est du bien. Donc finalement, il t'a fait du bien. Tout ce qui arrive dans le monde. Vous connaissez le prophète Daniel. Daniel dit à la fin des temps,
C'est les psukim qui font un peu peur. Il dit bien Harifen, mais à la fin des temps, vous faites un peu d'années le vol. C'est compliqué d'être en arabe, mais à nouveau. À la fin des temps, il y aura des tsarot. Arabe tsarot. Laïster. Laïster. Il dit, on comprendra. Et des tsarot, pas compréhensibles. C'est ça qu'il dit. Vous voulez comprendre, vous voyez bien qu'on ne comprend pas. Il dit, aval, de ces tsarot-là, surgira le machir. Amen. Et là-bas, il y a une phrase à tout, il dit, mais mazdik et arabim, il y a irim kakochabim. Dans la bête. Et ceux qui sont Zigouyarabim, qui sont mes karev, les enfants d'Hachem, Hachem, mes karev, Benem, chez Hachem, les Hachem, alors ceux-là, malgré tout ce qu'il y aura, ils vont briller comme des étoiles. Mazikarabim, Yukikorabim, les Hachem. Donc ça, c'est pour vous dire que, l'Odi le Roche, Oyal Shamel Aïsa, celui qui n'a pas clair dans la Emouna de Ashkara Pratit que Enon Milevado, alors même la première phrase qui est toute banale, Anochi Hachem Elokecha, c'est moi ton Dieu. Ça aussi, en fait, il est pas mal. Et le Roche, il dit... C'est pas facile. C'est pas facile. C'est un travail. C'est le travail de la Emouna. David Amer, il dans Télim, il dit... Yohan, David Amer, dans Alphabeta. Oh, Dalet. Vous regardez avec moi ou pas? Ouais. Oh, Dalet. Qu'est-ce qu'il a, David Amer? Pourquoi c'est Alphabeta? Dans Dalet, il dit... Derer Emouna Bacharti. Derer Emouna Bacharti. Moi, le chemin de la Emouna, j'ai choisi. C'est-à-dire que David Amer, il nous dit, il ne croit pas que la Emouna, c'est... On est avec la Mouna, ouais, je suis Mamine, je suis Rolio, je suis Mamine. La Mouna, c'est un derrière. Ça prend du temps, c'est comme la Gemara. Ça, c'est le démarrage de Maslow, là. Exactement. Ça se construit, c'est, tout le temps, on a des épreuves et des problèmes. Et la Mouna, elle affaiblit, il faut la reconstruire. Et la Mouna, c'est pas stable, en gros, je crois, Hachem. Hachem, c'est le meilleur, et Hachem, il y a un seul Dieu. On parle pas de ça, c'est évident, ça. On parle que dans ta vie, tous les jours, lorsque tu reçois une claque dans l'arabe, tu dis que c'est Hachem. C'est ça, la Mouna, je t'ai parlé. Tu dis que c'est évident, mais finalement, ça nous ramène à Anochi Hachem. C'est ce qu'il dit le Roche. Hachem aussi tira Meret Israël. La Emouna de Hachkara Pratit, ça revient à Anochi Hachem. La Emouna, c'est à chaque fois, revient à Anochi Hachem, revient à Anochi Hachem, revient à Anochi Hachem, revient à Anochi Hachem. C'est ça la mitzvah d'Anochi Hachem. Juste pour conclure. Stéphane, il a super bien dit Khazak. La mitzvah d'Anochi Hachem, c'est à chaque moment, tu dois replacer le cadre, tu dois remettre les points sur les i. Vous me suivez là-bas? Alors, les amis, juste pour conclure, ce qui est tard, si on vous demande si vous voulez accomplir la misa de Anochi Hachem et Kracha, et que le midi du bureau à la Kracha, c'est une misa tmidite, qu'à chaque instant de ta vie, tu peux la faire, c'est que loi les nous, loi les chem, lorsqu'on a des problèmes, on a des galères, et on a tous, des petites, des grosses, des moyennes, on a tous chaque jour, on a des. La vie n'est pas rose. Je suis qui a dit que la vie est un long fleuve tranquille, il vivait sur la lune, je crois. Mais en tout cas, tout ce qu'on a dans la vie, si on arrive à être bidgaber, c'est dur, je parle pour moi aussi, j'ai beaucoup de mal, mais si on arrive à être bidgaber et se dire que c'est Hachem qui a fait ça, on remet Hachem dans notre vie, on aimait quand même la misère d'Anochi Hachem Odera. Comme il a dit, chaque chose, Anochi Hachem Odera. Mais même, si tu veux, là, tu parles d'un cas où l'homme il a une épreuve et donc il a un choix de comment il va se positionner par rapport à ses épreuves. Mais même dans les moments parvés, tu es devant ton ascenseur, tu attends la caisse, etc. C'est des moments où on ne pense pas forcément à se connecter à Hachem à ce moment-là parce que c'est creux. Ça, c'est encore un degré. Mais tu trouves ? C'est que même quand il y a un spécial. Ça, c'est entre guillemets accessible. Si maintenant l'homme il se dit, bon voilà, maintenant, dès que j'attends l'ascenseur, je vais me connecter. Voilà. C'est des petits moments perdus qui, en vérité, c'est attrapable. Je trouve que c'est moins. Ce que tu dis, c'est que Béor Lachai dit Béchol Rega Verega. À chaque instant. Mais c'est dur, mais j'ai l'impression. Pour moi, le temps perdu, on est pas. C'est plus facile dans les galères que quand on s'est parvé. Non, mais. Excuse-moi. Ah ouais, tu trouves. Bah, dis-moi. Quand il t'arrive un gros problème, tu dis bon, bah, HM, il va m'aider, ou machin, etc. Bah, donc, tu te connectes à HM. Quand t'es parvé devant la télé, avant de penser à HM. Mais moi, j'ai l'impression que finalement, ça peut être profond, comme tu dis toi, là. Mais en même temps, c'est juste de la culture, quoi, finalement. C'est juste se ramener à, et c'est comme si qu'un type, il se dit, ben moi, je suis... T'es quand même Bill Vafra. Non, ce que je veux te dire, c'est que à aucun moment, moi, ça me sort de la tête que je suis le fils de mes parents. C'est ça, j'ai pas besoin de me concentrer, machin, etc. Dès qu'on me dit, mais tu t'es qui, je dis, ben, je suis le fils de mes parents, c'est qui tes parents, c'est eux. Donc ça, je me suis jamais dit, il me ressemble lui, peut-être que je suis son fils.
Non mais Stéphane, ça m'est jamais arrivé un truc pareil. D'accord. Donc chez moi c'est clair, très net. C'est un fait. D'où je descends. Je descends de ces personnes-là. Voilà, j'ai aucun doute. Et finalement, j'ai l'impression. Donc quand ils vont me demander quelque chose, ou quand ça sera logique. C'est mes parents, ils me demandent un truc, ils m'ont mis au monde, truc. C'est ça pas pareil que si un monsieur du même âge que mon père, il me le demande. Parce que il a cet âge-là. Pourquoi? Parce que c'est clair. Mais si chez moi c'est pas clair, donc quand Hachem il me demande de venir à la tefila, je me dis ce que t'as dit avant, faut venir à l'heure, faut venir truc, faut venir là, etc. Ça a l'air d'être un truc. Il faut que je me concentre, faut que je me machin. Mais en vrai, si je me remets dans le truc où c'est le maître du monde, il nous a sorti d'Égypte, il nous a donné la Torah, c'est comme ça qu'on doit vivre. Et la Torah, c'est Tfila. Ben juste, je suis ce qu'il y a à faire. Normalement, je dois être dedans. Si j'y suis pas, c'est que j'ai oublié le début. En vrai. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est même pas un truc de gros efforts. HM. Tu viens de là, fiston. Oui, mais encore une fois, j'entends ce que tu dis. Mais David, je réponds à Fred dans une seconde. D'accord. Mais le problème, c'est que les événements de la vie nous font oublier HM. Ben c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Donc. La mitzvah, c'est de recadrer. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que des fois, juste amener aux amis, on dit à quelqu'un, faut que tu viennes à la tefila. Tu veux dire, le type, il dit, mais tu me saoules, tefila quoi, si tu veux, j'arrive pas à me lever, je machin que ça. Mais en vérité, le sujet, c'est pas qu'il faut que tu viennes à la tefila. Ça nous cache le rein. C'est, fiston, on est d'accord quand on est sorti d'Égypte. On est d'accord. HM, c'est le maître du monde. Ouais, il nous a sorti, il nous a donné la Torah. Ça te concerne? Ok, bon, mais très bien, donc voilà, c'est tout. Il faut bien. Tfila, c'est la continuité du dans la Torah qu'on a reçue. Ouais. Parce que sinon, nous, on reste sur l'extérieur. Le moyen. Ouais. Et l'extérieur, il faut toujours venir à la base. Au bout d'un moment, tu te dis, mec, tu me demandes, t'es qui pour me demander un truc, toi, finalement? Je suis ton père. Ah, d'accord, ok. Et mais, Stéphane, je te coupe parce qu'ils vont partir. Et la phrase la plus importante, c'est la dernière. Je m'excuse, hein. Qui Zeus Goulat Israël al kol ha'amim. Regarde, t'entends pas. Le trésor, la singularité, la particularité de l'Israël par rapport aux autres peuples, c'est pas la Emouna, il y a un seul Dieu. C'est la Emouna, la deuxième Emouna de un homme, il est pas donc dans ta vie privée, dans ta vie, que la providence divine, c'est ça la différence entre les Juifs et les Goy. Mais tu fais là-bas. Le gars, il dit, moi je crois en Hachem, mais dès qu'un gars il pleure, il s'énerve et il croit qu'il est seul, mais il est là. Et ça, c'est les autres peuples. La particularité du Ben Israël, c'est qu'il remet Hachem dans sa vie. Pas seulement global, Hachem, c'est dans ma propre vie. Je termine. Vezeyesod, Amis Atsum. Vezeyesod, Kola Torah, Kula. Et ça, la base de toute la Torah. Le roi, il parle pas pour dire. Le roi, il parle pas pour dire du folklore. Vezeyesod, Kola Torah, Kula. Écoute, attends. Écoute, Stéphane. La Hagara pratique qu'Hachem, il fait tout. Et que tu l'encadres dans sa vie. C'est ça l'essence de toute la Torah. Toute la Torah que tu vas étudier maintenant dans la Gemara, la Mishnah, et les Chumrot, et les Chazon, c'est ce que tu veux. La base, c'est savoir qu'Hachem il fait tout. Mais c'est l'essence de la Torah. Je termine. Il dit, autre part, dans un moment comme je termine avec ça, que et lorsque tu te mettras en tête la sortie d'Egypte, tu te rappelleras de la sortie d'Egypte. Il n'y avait pas un peuple plus en galère que l'Egypte. Les Bélisraël en Egypte. L'Égypte, c'était une. C'était fermé, c'était des labeurs terribles. Et Hachem de là-bas, il s'est sorti. Quoi? Moi, de ma petite gare, il va pas me sortir. Donc, pas seulement que ça renforce la Emouna, mais c'est même ça donne de l'espoir. Je voulais dire quelque chose, c'est bon? Non, c'est tout à dit, toi. C'est évidemment. Tout est basé sur la sortie d'Égypte. Si tu me dis qu'il contrôle tout. Bon, Radonna, il est là, Il contrôle l'air, il contrôle.